Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu des nouveautés d'Action. Donc je suis descendue un peu à Action. Donc je vous ai fait une petite vidéo parce qu'il y avait des tampons que je n'ai pas pris. Donc je vous les montrerai après. Après vous avoir montré les papiers, parce que les papiers, les blocs de papier, je les ai pris. Donc c'est des blocs de papier texturés, hein. Donc c'est embossé en 3D. Et je trouvais ça très très bien parce qu'il y avait des pastels, il y avait un peu toutes les couleurs pour moi. Et deux dimensions, ils font 30 sur 15. Et ils sont de 250 grammes. Et je trouvais qu'ils étaient vraiment pas mal pour... pour moi, parce que je fais beaucoup de cartes. Donc vous, je sais pas si ça va vous plaire. Donc ils étaient en quatre, il y avait quatre blocs. Il y avait celui-ci, celui-là, ce petit pastel de rose et celui-là de couleur assez chaude. Donc on va les regarder un petit peu ensemble. Ça va vous permettre de les regarder. Si vous voulez au moins les acheter, vous les aurez. Donc là, c'est celui-ci, hein. Je vous ai dit les dimensions, 15 sur 30 cm de longueur et 250 grammes. Donc voilà, je vous montre le premier, ça fait un petit peu hachuré, hein. Voilà, il y en a deux de chaque identique, hein. Les deux premiers. Après vous avez la même texture et le même embossement pour celui-là. Ensuite, pour cela, il est magnifique. Donc, l'embossement, c'est des feuilles. Regardez comme il est beau. Je le trouve très, très beau. Hein. Franchement, hein. Vous voyez, on regarde à l'arrière de la page. C'est vraiment embossé. Regardez, on voit bien que ça a bien été embossé. Donc là, vous en avez deux aussi. Vous avez deux verres aussi moins soutenus comme ça. Après, vous avez un petit, des petites feuilles aussi dans ces tons-là, embossées. Voilà, c'est des petits arbustes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'espère que vous les voyez. Hein. Voilà, il y a celui-là et celui-là. C'est le même. Ensuite, vous l'avez dans les tons de ocre, comme ça. Toujours le même embossement. Ici, vous avez des petites vagues qui font comme ça. J'espère que vous les voyez bien. C'est pas évident, je mets comme ça, comme ça. Je vérifierai un peu sur la caméra si on les voit bien. Là, c'est pareil, ça fait des petites vagues comme ça. Donc on voit bien à l'arrière comment ça donne. Et là, c'est de l'avant. Ensuite, nous avons toujours des jolies feuilles. Regardez comment c'est beau, c'est vraiment très très beau. J'ai craqué pour ces papiers, j'ai trouvé uni, très très beau. Regardez, tons de vert aussi, des grandes. Ensuite, regardez ce genre de petites, voilà, textures un peu embossées en 3D, vraiment très très beau. Hein. Je ne les avais pas vus dans mon magasin, donc mettez-les-moi dans mon commentaire hein, si vous les avez déjà vus. Comme j'étais un petit peu absente, donc moi je trouve qu'ils sont nouveaux. Hein, donc celui-ci, c'est le premier. Pour le deuxième, on va prendre des jolies petites couleurs pastel, tout ce que j'aime. Hein. J'aime beaucoup ces couleurs, voilà. Un petit anisé, regardez, avec des petites... des petits ronds, hein. Je ne sais pas si on les voit bien, regardez, je ne sais pas si on va bien les voir, j'espère qu'on les voit bien. Donc ici c'est pareil, c'est le même motif, un petit peu rond, voilà, j'espère qu'on les voit bien, je me répète, mais c'est vrai que c'est pas évident. Là, regardez, ça fait des petits... c'est des petits carrés, hein, des petits... c'est embossé, quoi. Donc, il y en a toujours deux. Ensuite, vous avez ce petit bleu qui est le même, hein, qui est embossé de la même façon. Là, vous avez des petits... voilà, des petites gouttes un peu de différents diamètres. Hein.
Le blanc, c'est pareil. Et après, vous avez les traits de jaune comme ça. Ça peut faire de très bons fonds pour les cartes. Regardez comment il est joli celui-là. Parce que c'est vrai, nous avons on va dire, pour embosser, mais c'est vrai qu'on n'a pas des longues comme ça. Donc là, c'est vraiment une page complète embossée. Donc je trouve ça très très beau. Hein. Regardez comment c'est joli dans les tons de rose. Et là, c'est le blanc. Donc celui-ci, c'est cette texture de bloc. Ensuite, nous avons un petit ton de vert, de bleu, hein, je dirais de bleu. Donc je vous montre bien, voilà, celui-là. Donc on regarde, je regarde, voilà, c'est des petites piqûres. Je ne sais pas si on les voit bien, voilà, comme ça. J'espère que vous les voyez bien. Donc, un joli bleu profond. Hein. Là, vous l'avez aussi. Regardez. Ensuite, nous avons des petits. Là. Je vous laisse un petit peu regarder. Hein. Celui-là. Regardez celui-là comme il est beau. Je ne sais pas si on le voit bien. J'espère qu'on va bien le voir parce que. Je vous montre. Parce que c'est sur du blanc. Là, vous avez le même embossement. Est-ce que vous allez le voir par rapport au blanc? Donc c'est le même. Ensuite, vous avez des lignes. Pareillement. Là, vous avez... C'est assez joli, hein. Regardez. Le bleu, c'est les deux, les mêmes. Puis ils sont assez épais, 125 grammes, ça fait vraiment, la feuille est assez épaisse, hein, puis elle est tout embossée derrière. Je ne sais pas si je vous ai montré la bleue, là. Je la remonte quand même, parce que je ne me souviens plus si je vous l'ai montré. Donc là, c'est du blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien le blanc. Vous allez voir un peu mieux sur, c'est la même embossée, il a été embossé pareil avec le blanc. Donc, est-ce qu'on le voit mieux sur celui-là? Voilà, c'est le même. Voilà pour celui-ci. Et je vous montre le dernier. Donc le dernier, c'est dans des tons de rose. Donc voilà, le premier. Le deuxième, c'est le même, pas le même papier, mais il a été embossé à l'identique. Là, voilà. Voilà, c'est deux tons. Là, c'est le blanc, il est vraiment beau, le blanc. Franchement, il est très très beau. Donc le verre d'eau, c'est le même. Là, je vois que c'est vitré.
pareil, le même embossé, mais dans une couleur différente. Là, c'est des petites étoiles. Il est très très beau celui-là. Vraiment très très beau. Et même motif, mais dans une couleur différente. Voilà pour celui-là. Donc, je l'ai trouvé très très beau. Donc, je voulais les partager avec vous. J'en ai pris deux. Bernie en a pris deux. Je les ai trouvés pas mal. Donc, on se les a partagés. Donc, je vous mettrai le prix dans le barre d'infos. Donc, j'ai pris ça en me promenant. J'ai pris le petit tampon. Hein. Donc, j'ai passé un petit moment très agréable avec vous. Donc, je voulais vous les montrer au cas ça vous intéresserait. Je vais vous laisser visionner une vidéo hein, que j'ai pris à Action. Hein, toujours quand j'étais là-bas et que j'ai pris mes blocs, comme j'ai pas eu l'utilité de prendre ces tampons, il y en avait, je pense, 4, hein, si je me souviens bien, de nouveau. Donc, ils étaient en bois. Et j'ai trouvé qu'il fallait quand même que je vous les montre, si ça vous intéresse. Voilà, vous pourrez les trouver, surtout ceux qui habitent autour de chez moi, à Montigny-le-Bretonneux. Donc, ça peut peut-être les intéresser. Donc, simplement pour qu'ils puissent voir qu'ils sont bien à Montigny-le-Bretonneux. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Des nouveautés aussi en tampon. Donc, vous avez celui-là en coin qui est pas mal. Vous avez aussi le bateau que j'avais pas trouvé la dernière fois. Hein. Toujours en tampon, vous avez une jolie composition comme ça de fleurs. Vous avez aussi un joli petit cercle comme ça. Vous avez aussi les fleurs comme ça, toujours en nouveauté. Ensuite, à côté, nous avons des tampons en creux. Je ne les avais pas vus aussi ici en nouveauté. Vous avez du vert. Vous avez du orange, jaune, un petit peu vert. Vous avez du gris, c'est du gris. Hein. Là, c'est dans les tons de gris. Je regarde s'il y en a des autres. Dans les tons du... Voilà. Qui sont pas mal aussi. Donc voilà, en nouveauté. C'est un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo s'il y a encore des nouveautés à vous montrer. Je vous fais un gros gros bisou. Je remercie mes abonnés et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.